Production, Television, un média communautaire et commercial. Amis téléspectateurs, nous saluons. Nous avons bienvenue dans Opinion PAM. Opinion PAM, c'est un show que OPTV nous gagne. Côté que nous avons opinion, nous sommes en pile de passer dans la communauté. Je vous dis, nous avons plus de nouvelles. Côté que nous avons parlé de condamnation de Joanna Napoléon. Que nous t'ai songé quelques mois de cela qui était dans business faux diplôme infirmière dans Florida. N'a propose tout que n'a tourné tout à l'heure. Pierre Tax Group, t'armé faut connaître que c'est dans 15800 Pines Boulevard, dans suite 304 Pingo Pines, Florida, dans Hampton Business Center, que la Buy Service Tax Résolution pour nous tous qui dans 50 États aux États-Unis. Relève 954 362 51 99 pour casser rendez-vous. Dépôt à recevoir une lettre de IRS qui a demandé règlement taxe. Relève 954 362 51 99. Pierre Philanthrope, de plus passé 25 années d'expérience, n'a représenté client devant IRS. Lui un master degree en loi of taxation aux États-Unis de l'University of Florida qui s'est top 5 dans l'école loi taxe aux États-Unis. Et pas oublier que Pierre Philanthrope recevra Pinnacle Business Award de Miramar Pingo Pines Chamber of Commerce pour bon service communautaire. Et Pierre Philanthrope complété Designation of Fellow of the National Tax Practice Institute qui c'est un titre offert à Enroll Agent CPA avec avocat qui est capable de représenter client devant IRS. Pierre Philanthrope, c'est un expert en taxe qui est capable amende tax return qui pas correct, li ka préparer taxi en retard, li ka aider au gérer tax lien, tax levy, innocent spouse relief, audit ou bien n'importe problème taxi présenté dans la vie ou. Et si ou c'est un comptable, ou soyons moun qui file taxe dans la communauté a, et ou ta gagne yon ou plusieurs clients qui ta capable de gagne taxe très compliqué, je les Pierre Philanthrope. Dans 954 362 51 99, la P2 gérer Pierre Tax Group 15800 Pines Boulevard, suite 304 Pembo Pines, Florida, dans Hampton Business Center. Website pierretax.com. Avec Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group, tout problème taxe résout pour qu'à dormir de tout repos. Sunrise School of Nursing, c'est une école de formation pour des professionnels de la santé qui offre Associate of Science in Nursing on campus ou bien online, Practical Nursing Program en 12 mois on campus, Nursing Assistant Program en 10 semaines on campus. Des points intéressés, relève 954 765 69 19 ou bien visitez Sunrise School of Nursing qui est dans 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Online, c'est sunrisenursingfl.com. Avantage pour vous, c'est que tu l'as offri le matin, le soir, en fin de semaine ou bien online. Et même si vous habitez en dehors de la Floride ou qu'après tu l'as relé pour plus d'informations dans 954 765 69 19. Tu l'as dispensé par des professeurs qualifiés et expérimentés qui maîtrisent dans le domaine de la santé. Sunrise School of Nursing, fondée et dirigée par professeur Lynn Chancy, nurse practitioner qui maîtrise et puis tout de longues années d'expérience et de bonne réputation dans préparer élèves pour passer examen l'État et offrir assistance travail. Sunrise School of Nursing, licencié et approuvé par l'État de la Floride avec Florida Board of Nursing. Adresse 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Téléphone 954 765 69 19. Online sunrisenursingfl.com. Tous élèves qui graduent dans Sunrise School of Nursing sont des leaders dans le domaine de la santé, quel que soit côté au travail. Nous apprécions les amis téléspectateurs, côté que ou même qui subscribe, ou même qui bannent nos business, ou même qui regardent nous, c'est vous fait nous exister, nous content ou toujours là ensemble avec nous. Je nous t'ai annoncé, nous pourrons parler de Joanna Napoléon. C'est une dame qui bat en pile monde, infirmière bien sûr, faux diplôme pour le travail. Côté que son danger lié pour aller à l'hôpital, et puis infirmière, qui prend son lan, li bat jambe dans l'école, son diplôme l'a acheté pour le travail dans l'hôpital. Mais ben, ça a fait un gros scandale dans le pays ici. Dans toute news aux États-Unis, ou t'as dit Paul ça,
Mais dame ça, c'est dans Florida ça t'est passé. Jounen jodi a, yo condamné mamzel. Ou pi gen plus détail avec toute information pour en suivre un reportage. C'est journée mardi 18 juillet qui s'est passé là que Joanna Napoléon rivé condamné pour passer 21 mois dans prison par juge district américain Rodney Smith dans tribunal fédéral dans Fort Lauderdale, Florida. C'est suite à fraude qu'elle te commet pour la vente de faux diplômes d'infirmière dans l'État Floride. Joanna Napoléon rivé condamné également pour lui payer 3,5 millions de dollars. N'a signalé que pour le moment, il a déjà bail 2,6 millions de dollars, soit la moitié du montant au gouvernement fédéral côté que li vend trois propriétés qu'il te gagné. Information qui publiée dans le journal Miami Herald, d'après ça, nous rivé constaté. Après arrestation, Joanna Napoléon a accepté pour le capable coopérer avec la justice aux États-Unis et te bat l'estomac que li gen responsabilité dans conduite que te gagné. C'est ça que déclaré avocat li qui c'est Joël De Fabio dans une déclaration qu'il te fait publiquement. Avocat ajouté que client là qui c'est Joanna Napoléon li pas dans profession la santé encore. Au contraire, la l'école pour beauté et Joël Jodian li c'est un spécialiste du visage et des ongles. D'après ça que fait connaître avocat Joanna Napoléon, la paix continue à coopérer avec le gouvernement américain puisque le procès est toujours en cours. N'a signalé que Joanna Napoléon, avec complice Lio, te reconnaître qu'il était coupable de faux diplômes aux États-Unis d'Amérique. Le FBI, le département américain de la santé avec services sociaux, te fait connaître que c'est un total de 7600 étudiants qui payaient au moins 114 millions de dollars pour être capable d'avoir accès à faux diplômes en sciences infirmières dans l'école Sud-Floride avec l'autre côté aux États-Unis. Ça t'est passé entre 2016 et 2021. L'important pour signaler en passant que dans 7600 étudiants, il y a 2400 là-dedans qui ont réussi examen licencié principalement dans l'État New York. Non pas M. Roupi, pour RP TV. Bienvenue, amis téléspectateurs, dans les dates importantes. Son segment que nous faisons là pour nous faire connaître tout côté plaisir et pour aller. Et bien, je ne jeudi, on a lancé une invitation ambiance créole qui a une belle fête là pour organiser. On garde côté la vie. SS Productions a invité tout mélomanes dans une soirée unique et originale samedi 19 août 2023 dans Iberia Grill de Greenacres, Florida, au rythme de l'excellente formation musicale Ambiance Créole Jazz Band. Les chansons les plus en vogue et moments de plaisir inoubliables au menu de cette soirée de bonne humeur avec Ambiance Créole Jazz Band. Samedi 19 août 2023, de 9h du soir à 3h du matin, au 3745 South Military Trail, Greenacres, Florida, local Iberia Grill. Soirée Yannick Birthday Bash. Et si c'est fait par le mois d'août, venez bien fêter avec nous. Admission $30 par personne. Soirée cash bar, messieurs, dames. Pour tickets, réservation de table, VIP et paiement via Zelle, prière d'appeler Charlie Solage au 561 577 79 51 ou encore Arnaud Silva au 561 255 14 58. Une soirée de plaisir garantie, samedi 19 août 2023 dans Iberia Grill de Greenacres, Florida, au rythme de Ambiance Créole Jazz Band. Roupi Video Production Services paraît pour bord 4 services pour le prix d'un seul. 1. Vidéotaping de votre événement privé au public, service de production audio-vidéo. 2. La promotion de votre entreprise commerciale, service, produit ou événement.
3. Maître de cérémonie pour toute occasion, mariage, soirée culturelle, gala, fundraising ou autres festivités. 4. La remise sur USB de votre événement pour un souvenir éternel. Depuis ces services vidéo, contactez jeudi Rupi Video Productions, car boy un service 4x4 qui pape la gonne en route. 973-517-6308 ou bien 954-729-2214. Prix abordable, la caméra au féminin, image et sonorisation au pluriel. C'est tout ça nous portons pour vous, amis téléspectateurs, dans l'opinion PAM pour journée jeudi. Je espère que bien informé dans l'information que vous avez portée pour vous. Nous avons rendez-vous mardi prochain pour une plus belle émission. Quand même, on se retrouve mardi prochain. Production, télévision, un média communautaire et commercial.